Nathan, qu'est-ce que tu as pensé de ce match, cette victoire avec plus 18 en différence de but? Je pense que c'est une victoire qui fait du bien, qui fait plaisir. C'est un match assez, complet, on a pris du plaisir, on a vraiment pris du plaisir, que ce soit en attaque, en défense. Voilà, il y a encore des petits trucs à corriger, c'est jamais parfait. Hein. Mais c'était bien, on a trouvé des solutions en attaque et des solutions en défense. On a vu que vous étiez vraiment solide en défense et que vous avez bien contré. Est-ce que c'est ça qui fait votre force justement? Oui, je pense que comme les statistiques l'indiquent, on a la meilleure défense du championnat pour le moment, pourvu que ça dure. Et comme tout le monde pense, tout entraîneur et tout collectif, la première attaque c'est la défense. Donc, avoir une bonne défense, c'est la base de tout. Donc là, c'est votre plus gros écart en termes de buts, plus 18. Est-ce que c'est un plus offensivement aussi? Est-ce que c'est mieux? En général, vous mettez plus 9, par exemple contre Mios, contre Brugère aussi. Est-ce que c'est un plus pour vous d'ajouter plus de buts et... Ah oui, c'est un plus parce que si ça doit jouer au goal average particulier, c'est important de creuser l'écart entre les buts encaissés et les buts qu'on puisse marquer. Et pour garder la tête du championnat, si on a toujours été écoute. Le prochain match, là, c'est en Coupe de France, contre une des deux, sur l'équipe pontoise. Comment vous abordez ce match? On aborde comme tous les autres matchs, avec envie. On ne se dit pas que c'est une D2, que c'est rien n'est possible, justement, tout est possible. Et on va se battre pour gagner. Et voilà. Ok, merci. De rien.